Également à la une de l'actualité ce jeudi, ces images de la visite d'Henri Guénot mardi à Lille. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui député UMP des Yvelines, était de passage à la permanence UMP lilloise pour parler du travail de l'opposition avec les jeunes populaires nordistes. L'occasion également pour lui d'évoquer sa vision du monde, de l'économie et de la crise aujourd'hui. Et aussi d'envoyer un message au gouvernement de François Hollande en invitant le président à se mettre au travail. On écoute Henri Guénot mardi à Lille au micro de Tanguy Lécluse. Nous a dit le président de la République, voilà, j'ai ma boîte à outils, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires, maintenant vous inquiétez pas, un jour le chômage finira par reculer, c'est irresponsable. Alors oui, le jour de la fête du travail, je l'appelle à se mettre au travail, à être un vrai président de la République, à prendre la crise à bras le corps et à prendre les mesures nécessaires pour en sortir. En tout cas, qu'il essaye par tous les moyens de nous faire sortir de cette situation. Pour l'instant, il n'essaye rien du tout. C'est un président de la 4e République, il ne gouverne pas.